Et bonjour à tous, à toutes, ici on va se retrouver sur Neverwinter. Alors on va aller directement sur le jeu et je vais expliquer. Donc ici, je retourne un peu plus loin, pourquoi? Parce que tout simplement j'ai eu un crash de la précédente vidéo, donc j'ai perdu un quart d'heure de vidéo. Et ce quart d'heure là, bah tout simplement c'est moi. Alors jusqu'ici, j'ai juste allumé les signes de détresse et quelques genres de canoës là, bah je les ai trouvés. Donc ça a pris 10-15 minutes à tout casser. Et là je vais te valider la quête et te prendre la quête ici de Xaliana. Et on va donc aller faire sa quête. Alors comme j'avais expliqué dans la première vidéo, j'ai donc relancé une quête de métier, tout simplement. Et le compagnon, il est revenu. Et je lui ai mis une pierre de rune occulte. Je peux l'envoyer à l'entraînement, mais je préfère attendre un petit peu quand même. Ah bah je passe niveau 24 comme ça. Putain mon sac il est plein, ça me gonfle ça. Ah, que des arcanes, je m'en fous. J'ai droppé un truc. Plus de raid vie mais moins de puissance. Ok. Hop. Et ça fait plus de points de vie max et moins de raid vie. 5800. Ouais, je gagne un petit peu, mais je perds pas mal de raid vie quoi. Et par contre, j'ai des placements d'enchantement dedans. Donc, est-ce que ce serait intéressant? Je ne sais pas. Et là j'ai enlevé un peu de critique, ça m'a enlevé 1% de chance de critique, mais ça m'a donné 58 de puissance en plus. Et on le sent bien dans les combos. Alors, popom, monture. Alors, je peux monter des talents, donc on va continuer de monter ça. Voilà. Et d'ailleurs pouvoir j'ai un poids que je vais pouvoir mettre. Pom. La main du fléau je l'ai pris, c'est ce que j'avais dans la dernière vidéo. Le problème c'est qu'il y a rien qui m'intéresse vraiment. Peut-être le rayon d'énergie, ça pourrait être sympa à la place des petites boules. Ok, allez, on va essayer. Donc à la place des bouboules. Hop. Ah ouais. Comme ça, eux. Donc le kit des arcanes, je peux toujours pas le prendre. Ça j'en ai. Ça j'ai pas la place. Et ça c'est du pognon. Donc je vais pouvoir évoquer. Hop. Mon petit marchand. On va d'abord tout identifier. Parce que dès que je sors du marchand, il se barre donc. Je crois que ça a l'air d'être bon. Ok, hop. Donc on part le marchand. Ouais, donc lui vend déjà bah, tout ce que je peux pas utiliser. Les objets gris. Hop, les hôtels, je les dégage. Ça, je peux pas les vendre. Ça par contre je peux les jeter. Ou pas. Peut-être pas là. Ah, les coffres forts. Ouais. Ça me donne plus de puissance, plus de raid vie. Mais par contre, moins de critique. Faut vraiment que je me décide si je me build vers le critique ou vers le raid vie. Mmh.
Ça, je peux vendre. Kit de blessure mineure. Je peux vendre cela. Ça, je peux vendre. Les tatoues, je crois que je vais les dégager parce qu'elles me servent à que dalle. Les hôtels de poche, je les dégage. Le jeton, je pourrais aller chercher une nouvelle monture avec ça. Donc j'ai deux parchemins de téléportation pour aller jusqu'à l'enclave. Hop, ça me permet de récupérer encore un petit peu d'items. Alors, on va donc continuer par là. Ok. Ça, c'est fait. Un truc de l'Arsa, je vais pouvoir essayer. Ah non, c'est un truc de provision. Ok. À mon avis, je devrais maudire plusieurs cibles avant d'utiliser rayon en fait. Hop, par là. Alors, rayon, je suis pas hyper convaincu. Ça a l'air d'être bien si c'est bien fait, mais. Alors, je dois aller chercher les ordres scellés et l'équipement. Est-ce que je peux faire ça? Les monstres ici, il faut pas assez de dégâts pour que je puisse tester en fait. Donc on récupère les ordres scellés. Et il ne reste plus qu'à récupérer un truc, c'est son équipement. À mon avis, ça doit rentrer dans un build bien spécifique. Oh, j'ai droppé un truc bleu. Je l'ai vu. Ouais, là. Plus de critiques, plus de rétablissement et plus de défense. C'est pas magnifique ça. Des gants bleus. C'est bon ça. Ah, ça c'est pour... Je crois que c'était un sac pour moi, mais en fait non, du tout. Alors, les trucs gris, je vais commencer à les virer et puis les prendre. Ok, des arcanes, je m'en fous aussi. D'où? Des bottes punitives, mais c'est des items simples que je ramasse même plus. Hop, on ramasse les golds. On récupère son équipement. On va vite relancer
Ah non. Là, je suis minute. Je dois tuer des pierres bandits. Why not? Ok, je commence à comprendre le principe du rayon en fait. Le mec qui saute pour des pièces. En fait, la cible qu'on vise fait un axe. Et en fait, quand on tourne, on peut bouger cet axe-là en fait pour toucher ce qu'il y a derrière. Ok. Ok. Donc, bon, je peux faire ça. Ça. Une. Ok. Voilà, comme ça. En fait, je dois juste m'aligner. Ouais, il est là derrière, en fait. C'est bien, je vais pouvoir refaire ma divinité. Derrière le vieux. Je veux pas de magouille où je vous mets. Vous avez trouvé les barques? Ces foutus pirates ont pris mon coffre de marin. Et pendant que j'étais en train de boire un verre à la couronne brisée. Oh, vous rendriez un vieux loup de mer heureux si vous alliez le chercher pour moi. Et si vous frappiez quelques bandits sur la tête pendant. Pardon. C'est bien, on découvre de nouveaux décors. J'aimerais bien un biome de neige. Ah, je le mets comme ça en fait. Hop, on réinvoque. Alors c'est par là. Ah, en fait, ça fonctionne bien, ça. Donc si je fais ça, ça. Alors on continue. Donc elle rentre tout à Xaliana. Aujourd'hui, marque l'excellent travail. Parfait. Je vais. Nous avons de la chance. Oh. Marion Exben, la magicienne qui fait partie des chefs des bandits de Black Dagger, contrôle leurs opérations de naufrage et de pillage depuis une grotte non loin d'ici. Les ménestrels ont besoin. Sa mort de vous. Mettrait un terme à leurs méfaits et nous permettrait de chercher davantage d'indices sur l'emplacement des autres chefs et de trouver Traven Black Dagger lui-même. Donc le deuxième point, bah, on va le mettre dans le vol d'effroi, hein. Pardi. Ça fait plus de dégâts et plus de résistance. À niveau 30, il faut 30 points dépensés, donc dans 4 niveaux. Ouais. Ok.
Allez, hop, 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 hop. C'est quoi ça? Ok, une boîte aux lettres ici au milieu du tas. Allez, on continue. On doit retourner Cybella dans l'enclave du protecteur. Ok. Pour finir une quête de niveau 10, mais bon, comme ça, elle est faite. Tu t'es perdu, toi? On y va, on y va, on y va, on y court, on y vole. Donc y a pas d'ennemis au 100 quart. Ça va toujours plus vite. Et sur le bas, c'est pas ça qui fait vraiment qui nous rapporte de l'XP, donc. Donc je dois aller ici pour collecter le passé. Non, ça. Fou de ma gueule. Il me dit que c'est là. J'y vais. Bon, je vais y aller manuellement. De mémoire, comme je disais, c'était tout en haut. La dernière fois, j'avais été distrait. D'ailleurs, ici, je vais regarder ce que j'ai acheté. Donc, moi, j'ai pris Sabino. Donc, je prends un bringuet. Voilà, ça me fait un item en moins dans mon inventaire. Ah non, lui il me fait aller à la porte. Moi je dois aller. Là au-dessus. Allez hop, 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 on monte tout. Le truc de travail doit être fini. Hop, pour récolte. Non, je vais aller, je t'ai dit. Hop. Par où est-ce qu'il me fait aller? Ah, il me faut encore aller vers son truc à la con. Non, je vais d'abord rendre ma quête là au-dessus. Gros, je commence un petit peu à avoir la connaissance de la cité pour savoir quand est-ce qu'il m'envoie dans des trucs où il faut pas. Allez. Hop, hop, hop. Cybella de mémoire, c'est celle qui était tout en haut dans la bibliothèque là. Qui m'avait fait faire valider une campagne. Allez hop hop hop. Alors, c'est de la porte là derrière. Oh, c'était bien là.
Hop. Faut que je forge une orbe. Ah, c'est pas ça. Enfin, non, je peux déjà avoir de mes trucs là. Hop. 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 Ça. Terminer la tâche, assembler un quadrant de l'orbe. C'est des campagnes ça. Social, guild, profession, page d'accueil, personnage, campagne. Hop, obtenir. Ouais, j'en ai 6 de ça et j'en ai 4, donc ça devrait aller. Ok, donc en fait, ouais, en fait, ça va mettre un quart d'heure à se faire. Donc dans les quêtes. Poum. On va quand même sortir de là d'abord. Ah, j'ai mon poids de navigation. Ça. On va utiliser ça et après on fera le cheval. Voilà. Ah, c'est le truc là à gauche en fait. Hop. Petit cheval, petit cheval. Ah, ils sont sur la tête des gens. Allez hop. Douleur et souffrance, celle-là. Ah, je suis une dalle. Qu'est-ce que j'ai pu jouer à ce jeu? Ok, pop pom. Quand tu le sors. Pour la vitesse. C'est bizarre quand même qu'il va si lentement. Ok, quand on est deux et qu'on est un en face de l'autre, on a un avantage de combat. Ok. Donc c'est quand le mec il est encerclé quoi. Et ben vous voyez, il décharge à 4-5 mégas la seconde. C'est abusé, sérieux. Il aurait déchargé à caisse quoi. Je sais pas ce qu'on va me faire là. Y'a rien à ramasser. Non. Regardez.
Attendez, y a rien là. Ok, rien à faire ici. Musée, c'est tôt jamais, on va regarder, mais en fait, non. Hop. Ça se vend, hein. Oh, il a l'air vénère celui-là. Bon, ça fait beaucoup de bruit pour rien, parce que franchement... Dragon là, il se fait quasi one shot. Ok. Où est-ce qu'il me fait aller lui? Ok, de quoi aller de ce côté là. Et on doit aller. Oh bah l'enclave, ok. Ok. Ensuite. Donc le menu de campagne c'est L. C'est ça. Non, c'était pas ça, c'était... Ah, ça avance, ça avance. Donc assemblée future non, mais par contre celle-là oui. C'était rune de Black Dagger de mémoire. Je suis un guerrier honnête. J'avais raison. Ouah, le voleur quoi, please. Pourquoi me dire que ça fait pas de dégâts, mais... Alors... Hop, on prend la thune. Attraper espion.
Hop, un hôtel. Bon plan, on plan. C'est toi que j'y pense sur la cam. La cam est un petit peu mal mise. On va déplacer un petit peu vers la droite pour que vous puissiez voir le compagnon. Voilà. Bon. Et voilà. Le rayon c'est bien, mais c'est vraiment... si on se place mal, on a un peu dans l'os, même profondément dans l'os. Je me demande ce qu'il y a là au-dessus. Coffre, j'avais bien fait de venir par ici. Enfin, pour ce qu'il offre, franchement, bon, on s'est éloigné un petit peu trop du chemin de quête qui était là en dessous de mémoire. On a trouvé un indice. Alors, j'ai vu des trucs à identifier. Plus de durée de vie, mais moins de critiques et moins de rétablissement. Pomme, ça c'était quoi? Une durée de vie, ouais. Et ça c'était quoi? Ça m'augmente ma frappe critique. Je perds un petit peu de puissance. Enfin, un autre gagner 15 de critique pour perdre 32 de puissance. Ah non! Non, je suis con. Pour vraiment, j'ai équipé quoi? Un truc qui fait 43 de critique. Ah, je dois remplacer celui qui fait du critique en fait. Celui-là il fait du critique. Voilà. Je dois mettre ça à la place. Voilà. Et alors ensuite il y avait ça que je crois que j'ai droppé. Ouais, c'est pourri. Va falloir que je vende. Merde. J'ai paumé mon vendeur. C'est sérieux ça? Putain, on peut pas agrandir l'inventaire, ça m'énerve. Donc durée limitée, blablabla, non. Ah, c'est ça.
Voxel 3. Allez. Alors, tiens, il a rajouté des trucs. Potion de soin. Ok, donc on va déjà avoir tout ce qui est rouge. Ensuite. Ça c'était mon ancienne. Les bâtons, ouais, ça je peux le dégager. Celui-là. Il va falloir que je voie vraiment si je fais du dread view ou quoi. Ça il faut garder. Ça c'est pour une monture et ça c'est un insigne royal. Ok. Ça je peux dégager. Et alors là. Ouais, pareil. Ça par contre je peux dégager. Ça je peux dégager. Ça je peux dégager. Alors. Ça je peux jeter. Je m'en fous, j'utiliserai pas de toute manière. Alors, on est parti. Ah bah là justement aller là où j'étais allé. Moi, ça se vend à la rigueur. Hop, encyclopédie. Allez, on avance. Une dague, on s'en fout. Ça peut être bien. Enchantement. Ok. Marion X-Ben. Alors, où est-ce qu'il est?
Tenue du rituel, renforcement d'armure, on prend. Un hôtel d'arcane. Je ne sais pas c'est quoi, mais ça doit être bien. Donc nous vient de là. Hop, on prend tout. S'en fout, vu qu'on va bientôt aller vendre. Ok, bah je crois qu'on a fait le tour. Mais le rayon il est bien, mais je sais pas, il y a un truc qui me chiffonne dedans. Je suis un guerrier. Et alors, donc par là. On n'a pas de truc pour identifier, mais plus de puissance et plus de rétablissement. Ah. Moins de puissance, mais neutralisation d'armure. Augmente le pourcentage de résistance aux dégâts qui est ignoré lorsque vous attaquez un ennemi. Bon, en gros, ça perd sa remor, quoi. Il me faut des trucs pour identifier. Hop, hop, hop. Alors, plus de points de vie, plus de drain. Ah, mais j'ai un emplacement dans celui-ci. Faire avoir de la puissance ou... En fait, c'est pour mettre des trucs comme ça dedans, des pierres après dedans. Puissance, gain d'expérience. C'est pas terrible tout ça. C'est un emplacement d'attaque. Hein. Donc 40 de rétablissement. Ouais, j'en ai trouvé 3. Bon, ça me donne toujours quelques petits trucs. Hein. On va pas se plaindre. De puissance, un tout petit peu moins de critique. Ah, ça, par contre, je suis preneur. Par contre, ça m'a l'air, j'ai toujours pas de chemise et de pantalon. C'est vraiment la merde, ça. Ça, c'est pour la monture, c'est un insigne royal. Récupérer ça aussi. Hop. Ah, c'est ça. Hop, il passera de niveau comme ça. Cool. Et le reste, ça partira à la vente.
Ouais, que des arcanes je peux prendre, ça prend pas de place puisque j'en ai déjà. Parchemin je peux prendre. Hop. On retourne près de Xaliana. Ça fait plaisir de voir aujourd'hui. La mort d'Exben est... Les journaux d'Exben parlent d'un marchand nain, Melkor Goldseeker. Krag Fultouf, le chef des gnolls des bandits de Black Dagger, faisait pression sur lui. Allez voir Goldseeker à l'auberge de la couronne brisée pour savoir pourquoi les bandits s'intéressent à lui. Ok, on va aller voir ça. Ramasse tout. Hop, on monte. On a même le cheval. Et je suppose qu'il va nous renvoyer à la couronne, hein. Ouais. Enfin, alors clave plutôt. Allez, hop. Je sais pas comment est-ce qu'on fait des poids, ce truc là. Alors... Hop, au feu de camp, on va pouvoir prier le dieu. C'est contrôlé. Alors ensuite, pop pop pom. D'abord parler à lui. Alors, toi tu peux être vendu, toi tu peux être vendu, toi aussi. Toi aussi, toi aussi. Je perds trop de puissance avec ça. Ça. Pas de critique. Je crois que je vais m'orienter plus critique que Dread Vie en fait. Ouais, je vais faire ça, je vais essayer de m'orienter plus critique que Dread Vie. Donc.
Ça, par contre, ça m'enlève pas mal de puissance que ça m'intéresse pas. Ça m'enlève trop de puissance. Plutôt mettre ça alors. Hop, les tatures, je vais les bazarder. Alors ensuite... Ça... C'est pas la résurrection. Alors avant tout ça je vends, ça je vends, ça je vends. Plus de critique ou plus de puissance? Quand même plus de puissance que de critique. Puissance en premier, critique en deuxième je vais faire. Ça, je bazarde, ça du coup bah, je bazardais. Les gens sont en train de s'arracher les cheveux devant les dans le PC avec ce que je suis en train de vendre en fait. Je perds trop de puissance. Ça je dégage, j'en ai pas besoin. Hop. Ça c'est encore pour le craft donc ça va aller en bas. Ça pareil. Enfin le craft je me comprends, hein. C'est juste que c'est pas du stuff quoi. Voilà, ça en fait de la place. Alors ensuite, toi. Écoutez bien mon conseil, j'ignore de quoi vous parlez. Les bandits de Black Dagger ont découvert que j'avais commencé à miner dans les collines et que j'avais trouvé des ruines antiques dans l'une des mines. J'ai essayé de passer... Fatigué et encore tout poussiéreux de leur... On va quand même voir en haut. Voir que ça pas une encyclopédie ou quoi. Un hôtel. Hop. Il y a sous-sol, on va quand même aller voir. Bon, ok, apparemment il n'y a rien. Par contre, c'est quoi ce sort-là? Ah, c'est un à volonté. Ah, oui, j'ai des nouveaux talents et de nouveaux points. Tout à l'heure, hop. Ça. Ah, je peux remonter. Ah ouais, si je peux monter grade 3 maintenant. Du coup, je vais monter peut-être parce que j'utilise le plus à la main. Encore plus de dégâts. Hop, ça c'est quoi? Je suis un guerrier honnête. Oh, on y croit, on y croit. Allez, hop. On doit donc trouver les chariots des caravanes et jeter un œil au code mineur. On a un autre vidéo là? Ok. On va s'arrêter ici pour cette vidéo-ci et on va donc continuer la prochaine vidéo, cette quête-là. Voilà. Donc on espère que vous aimez, que vous avez kiffé et à plus tout le monde.